Place à l'immobilier également dans ce Flash Info. Ce matin, au Club de la Presse de Lille, les notaires de la région ont fait le point sur l'état du marché immobilier et la santé de leur profession. Une profession qui d'ailleurs est affaiblie selon eux par un marché qui se porte plutôt mal dans la région. Et puis la loi Macron ou encore la loi Allure en vigueur depuis un an qui, toujours selon les notaires, rendrait les investisseurs plus frileux. La réunion a permis aussi de voir que dans le Nord-Pas-de-Calais, 470 notaires sont en ce moment installés dans un marché déprimé avec une baisse des transactions, 18% pour les maisons et 11% pour les appartements. Par ailleurs, la crise touche toujours les biens immobiliers les plus chers et les biens les moins chers sont toujours en bonne santé. Il s'agit notamment des primo-accessions. Idil Gunay est allé discuter avec les notaires afin d'en savoir plus. On constate que les secteurs les plus, je dirais les plus chers, et notamment le Vieux-Lille, les quartiers Lille-Vauban, ont une tendance à la baisse, alors que à l'inverse, des secteurs plus difficiles, comme FIV par exemple, ont une tendance à la hausse. Alors, je pense que ça peut s'expliquer par le fait que, compte tenu de la crise, eh bien, les gens recherchent les endroits où les prix sont plus abordables et donc vont se rabattre peut-être sur des quartiers moins cotés.